Hier, il était très mauvais, vif tension entre Delormeau et Guillaume Janton dans TPMP, ZATV. L'ambiance était pour le moins électrique sur le plateau de Touche pas à mon poste le jeudi 8 décembre 2022. Tout est parti d'une autre prise de bec le mercredi 7 décembre 2022 lorsque Gilles Verdet est monté au créneau contre le producteur de musique Francky Vincent. Toujours sur le plateau de l'émission de C8. Nommé chevalier des arts et des lettres par le ministère de la Culture. Ce dernier a été vivement mis en cause par le chroniqueur qui a totalement désapprouvé ce choix. L'explication, un culte voué par le chanteur à l'humoriste Dieudonné, qu'il considère comme son idole. Accusé d'être antisémite, le natif de Pointe-à-Pitre avait alors botté en touche en déclarant « Quand j'aime un artiste ou une célébrité, le reste ne me regarde pas. Moi, je suis antillais. Nous, on est comme ça. On est spontané par rapport à la personne. » C'est quoi Gilles Verret avait rétorqué, si vous cautionnez l'antisémitisme de Dieudonné, c'est que vous êtes antisémite. Le jeudi 8 décembre 2022, Mathieu Delormeau, alors absent la veille, a souhaité revenir sur cette situation. En pointant notamment du doigt son collègue Guillaume Janton, pas vraiment de l'avis de Gilles Verdet. Hier, il était très mauvais, s'est insurgé l'ancien présentateur de NRJ 12. Au sujet du présentateur du Morning sans filtre sur Virgin Radio. C'est le pote de Gilles Verdet. C'est le premier à le traiter d'homophobe, il y a quelques semaines, sur ce plateau. C'est facile d'être insensé et d'insulter tout le monde derrière son téléphone, a rétorqué Guillaume Janton. Une allusion à un tweet de Mathieu Delormeau, publié justement la veille, et traitant Guillaume Janton de fou. Guillaumet. Des paroles qui ont semble-t-il excédé Mathieu Delormeau, je suis obsédé par l'homophobie. Par le racisme et par les violences faites aux femmes, ne me dis pas que je suis insensé. Arrête tes conneries. Qu'est-ce qu'il a à me dire que je suis insensé derrière mon ordi, Janton. Il dit de la merde. C'est quoi son interlocuteur a répondu, tu nous insultes derrière ton téléphone. C'est pathétique. Viens m'en parler en face. Drôle d'ambiance sur le plateau de Touche pas à mon poste.